Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Luc Maugendre, le directeur de la Galerie Eureka, qui est le centre de culture scientifique de la ville de Chambéry. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau numéro d'Entre Midi et Sciences, un rendez-vous mensuel pour nous éclairer sur des sujets de société en lien avec les sciences. Aujourd'hui, nous allons parler activité physique et plus particulièrement activité physique comme thérapie. Pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir un chercheur, Monsieur Laurent Messonnier. Pour vous le présenter, je vais laisser la parole à Audrey Bopineau, médiatrice scientifique à la Galerie Eureka. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurent Messonnier. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour ce rendez-vous entre midi et sciences. Vous êtes professeur des universités, responsable de l'équipe de recherche Physical Ability and Performance in Health and Disease au laboratoire interuniversitaire de biologie de la motricité à l'Université Savoie-Mont-Blanc. Le rendez-vous d'aujourd'hui porte donc sur le thème de l'exercice physique et la question de son rôle comme thérapie. Alors, les bénéfices de l'activité physique sur notre santé ne sont aujourd'hui plus à démontrer. Depuis 2016, l'exercice physique est même intégré comme dispositif thérapeutique dans la loi de modernisation de notre système de santé. Alors, quels sont les effets sur l'organisme d'un exercice physique régulier? Quels sont les objectifs et les bénéfices attendus dans le cadre du traitement d'une maladie? Quelles pathologies sont concernées? Alors, pour répondre à ces questions, nous éclairer sur ce sujet, Laurent Messonnier, je vous laisse maintenant la parole. Merci. Merci, bonjour à tous les deux et puis merci pour cette introduction. Donc, je vais partager mon écran pour vous montrer un petit PowerPoint. Voilà, donc aujourd'hui, le thème de la présentation étant l'exercice physique, une thérapie en devenir. Donc, je vais aborder un peu cette thématique. Alors, bien évidemment, en 20 minutes, je vais la survoler. Mais je vais quand même donner un peu quelques pistes en donnant aussi des éclairages sur quelques pathologies. Alors bien évidemment, encore une fois, ça va juste être un survol, mais ça va être juste un petit éclairage qui ne sera pas non intéressant. Alors, en introduction, donc on est bien tous conscients hein, que le nombre de malades du cancer ne fait qu'augmenter. Les maladies cardiovasculaires et métaboliques sont très prégnantes dans notre société, ça ne fait qu'augmenter. Et puis, bien évidemment, on sait aussi on fait face à un vieillissement de la population. Alors, il existe un médicament, en fait, parce qu'on va le voir, hein, les Américains appellent ça un médicament, exercise medicine. Medicine en anglais, c'est un double sens, dans l'un qui est le médicament. Donc, il existe un médicament qui a des effets positifs sur certains symptômes, pas tous, pas dans toutes les maladies, mais il a des effets positifs sur certains symptômes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça améliore la qualité de vie des patients. Dans beaucoup de cas. Et surtout, il présente peu de risques et d'effets secondaires. C'est toujours quand on prend un médicament, un vrai, il y a toujours ce qu'on appelle la balance bénéfice-risque. Il y a toujours des effets secondaires d'un médicament. Ben là, pour le coup, l'exercice physique, qui est le médicament dont on parle, a des effets positifs, peu d'effets secondaires et très peu de risques. Donc voilà, j'y faisais référence un peu à ce concept un petit peu anglo-saxon qui est Exercise Medicine. Et puis, ben, comme Audrey Popineau vient de l'a abordé dans son introduction, effectivement, depuis peu maintenant, il y a l'exercice sur prescription, le sport sur prescription, le sport sur ordonnance, l'activité physique en prescription. Donc, tous ces petits concepts que l'on retrouve sous différentes appellations au niveau national, mais ça n'empêche que maintenant, le médecin peut prescrire de l'activité physique, notamment dans le cadre des maladies chroniques pour ses prises en charge. Alors, je vais aborder les choses d'une petite manière qui va être une présentation d'un cercle vicieux. Alors, quand on a une pathologie, elle peut avoir plusieurs répercussions. Alors, la première répercussion, c'est il peut y avoir des répercussions sur des paramètres, par exemple, cardio-pulmonaires, notamment avec des limites ventilatoires ou avec des limites cardiaques, etc. Et puis, il peut y avoir directement des répercussions sur le tissu musculaire, avec une inflammation, un stress oxydant qui s'installe et puis qui peut entraîner une certaine nécrose des fibres musculaires. On sait, par exemple, que certaines chimiothérapies dans le cancer ont des effets négatifs sur le tissu musculaire. Et ça amoindrit la masse musculaire, il y a une atrophie musculaire, c'est ce qu'on appelle la cachexie dans le cas du cancer. Et puis, dans d'autres cas de figure, c'est ce que vous avez à droite ici, vous avez des risques associés à la maladie lors de l'activité physique.
quand cette activité physique est mal contrôlée. On verra qu'un des enjeux de la thérapie par l'exercice, c'est d'impliquer un exercice physique, mais qui soit contrôlé, qui soit bien calibré et qui corresponde aux besoins liés à la maladie. Je vous prendrai un exemple tout à l'heure. Donc, en tout cas, dans certaines pathologies, l'exercice peut être un risque. Alors, pour le coup, qu'est-ce que ça va engendrer tout ça? Eh bien, si on part d'un point de vue des répercussions sur le tissu musculaire, vous avez donc une dysfonction musculaire ou un remodelage musculaire qui est, ben, on vient de l'aborder un peu, une atrophie, une perte de densité capillaire, une perte de fonctionnalité musculaire, perte de force, tout simplement. Ou alors, dans le cas de la répercussion sur les paramètres cardio-pulmonaires ou sur les risques lors de l'activité physique, eh ben, ça entraîne des faibles aptitudes et ou activités physiques. Donc, vous êtes moins actif. Parce que vous avez moins d'activité physique, vous pouvez moins faire d'activité physique. Et donc, ça vous entraîne dans un système d'hypersédentarité. Mais si vous êtes hypersédentaire, eh ben, vous vous déconditionnez d'un point de vue musculaire. Donc, votre muscle devient de moins en moins actif, de moins en moins fonctionnel, ce qui fait que vous avez encore une perte d'aptitude physique et encore moins de l'activité physique, et vous entrez dans votre cercle vicieux, qui fait qu'au bout du compte, eh ben, vous avez une faible qualité de vie parce que vous avez une aptitude qui vous permet de faire de moins en moins de choses. On le verra tout à l'heure, il y a des pathologies qui vous tellement vous déconditionnent qu'au bout du compte, faire ne serait-ce que les choses de la vie courante deviennent très difficiles. Aller faire vos courses, monter des escaliers, tout ça, ça devient très pénible et vous empêche de faire ben, une vie normale, avoir une vie sociale, avoir une vie courante comme une personne saine. Alors, je vais vous présenter une sorte de cercle vertueux, notamment avec l'activité physique régulière. Alors, cette activité physique régulière, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va lutter contre l'hypersédentarité. Du coup, elle va entraîner un reconditionnement musculaire. Du coup, elle va entraîner un remodelage et une diminution des dysfonctions musculaires. Alors, du coup, ça va être un remodelage, mais qui va être positif cette fois. Du tissu musculaire, limiter les dysfonctions et améliorer l'aptitude physique et votre activité physique. Alors, on peut même aller plus loin, parce que ça, c'est l'étape immédiate. C'est j'arrête de perdre de la fonction musculaire et je peux maintenir ma qualité de vie. Mais on peut même imaginer aller plus loin, c'est-à-dire avoir un retour sur la maladie et sur les symptômes de la maladie. C'est-à-dire qu'on va limiter les répercussions de la maladie sur le tissu, on peut même limiter les répercussions de la maladie sur les paramètres cardio-pulmonaires et limiter les risques de l'activité physique. C'est-à-dire qu'on va venir jouer sur les symptômes même de la maladie. Et on peut même aller plus loin, c'est qu'on peut réduire certains facteurs de la maladie, c'est-à-dire les facteurs déclenchants de la maladie. Or, du coup, ce que l'on appelle un peu pompeusement la thérapie par l'exercice, mais c'est un vrai concept et qui marche très bien, c'est qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, la thérapie par l'exercice, elle peut avoir différents effets. Alors, le top du top, ce serait que ça affecte directement la pathogénèse, c'est-à-dire les processus déclencheurs de la maladie. Est-ce qu'on peut venir bloquer ces processus? Dans certains cas, c'est faisable, dans d'autres, ça ne l'est pas. En tout cas, il y en a certains cas, dans certains cas, on est capable de venir jouer sur la pathogénèse. Ou alors, on peut venir en diminuant les symptômes, en améliorant les symptômes qui dominent dans la maladie. Est-ce qu'on peut également améliorer l'aptitude physique? Ça, c'est très, très bien décrit. Et donc, est-ce qu'on améliore la qualité de vie? Ça, c'est très clair dans l'activité physique. Alors, du coup, on peut avoir une forme de tableau à deux entrées en fonction de l'activité physique. Est-ce que les effets de l'activité physique vont être forts, modérés, limités ou pas avérés? Sur la pathogénèse, c'est-à-dire les processus qui déclenchent la maladie, sur les symptômes, l'aptitude physique et la qualité de vie. Donc, on va essayer d'appliquer ce petit tableau à deux entrées dans différents cas de figure. Et je vais vous commencer, par exemple, dans le cancer. Alors, dans le cancer, l'objectif primaire de l'activité physique chez les patients atteints d'un cancer, c'est d'abord lutter contre l'atrophie musculaire, je l'ai déjà un petit peu abordé, augmenter la force musculaire, diminuer la fatigue, augmenter le bien-être et la confiance en soi, lutter contre l'anxiété et la dépression, et donc améliorer la qualité de vie. Alors, quand on regarde les études épidémiologiques, l'activité physique, même après le diagnostic d'un cancer du sein, par exemple,
peut réduire les risques de décès liés à la maladie. Le risque de décès lié à la maladie. Alors, résultat des courses, quand on fait un petit tableau comme je vous l'ai présenté, pour le coup, la pathogenèse, elle n'est pas totalement avérée. Enfin, on ne vient pas tellement jouer sur cette pathogenèse, quoique on va le voir tout de suite après. Bien évidemment, on va réduire certains symptômes, notamment la fatigue. On va améliorer l'aptitude physique. On va améliorer la qualité de vie. Alors, pourquoi je vais revenir un petit peu sur cet aspect non avéré? Parce qu'il y a des études quand même épidémiologiques qui montrent qu'un mode de vie actif, c'est-à-dire qui inclut une activité physique régulière, a été montré comme étant un protectrice contre le développement du cancer du côlon et du sein. D'accord ? Donc finalement, cette activité physique régulière pourrait bien jouer sur la pathogenèse dans certaines formes de cancer, pas dans toutes, mais dans certaines formes de cancer. Alors le vieillissement, comme je vous l'ai dit en introduction, la population française est de plus en plus vieillissante. Alors, vous avez sur ce schéma trois types d'évolution de ce qu'on appelle la consommation maximale d'oxygène. C'est un indice de votre aptitude physique. Alors, la ligne en rouge, elle montre l'évolution avec l'âge de votre aptitude physique dans un groupe de sujets sédentaires. Donc, on a pris des sujets sédentaires et on regarde en fonction de l'âge et vous voyez que votre aptitude diminue inexorablement avec l'âge. Si vous êtes un petit peu plus actif, ça ne change rien. Vous avez toujours cette diminution. Et si vous êtes entraîné en endurance, ça ne change toujours rien. Vous avez cette diminution avec l'âge. Par contre, ce que l'on observe, c'est que le niveau auquel vous vous trouvez n'est absolument pas le même. Et là, je vais vous donner un exemple qui va être totalement parlant pour vous. Vous prenez un sujet à 45 ans qui est inactif. Et attention, quand je dis inactif, je vais le comparer avec l'actif. Je ne vais même pas le comparer avec le sujet entraîné en endurance. Donc, il est inactif, il est sédentaire. Et bien, vous vous apercevez que par rapport à une population active, il se retrouve à 45 ans avec la même aptitude physique qu'un sujet qui a 65 ans, alors que ce sujet de 65 ans est actif. En d'autres termes, un sujet de 45 ans inactif a une aptitude physique de quelqu'un de 65 ans qui est un peu plus actif. Et quand je dis actif, ce n'est pas entraîner en endurance. Actif, c'est je monte les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, je marche un petit peu plutôt que de prendre mon véhicule pour faire 300 mètres, je fais mon jardin, je taille mes haies, j'ai une activité à la maison. Et bien, tout ça fait que vous voyez quel impact ça peut avoir sur votre aptitude physique. C'est 20 ans d'écart. Ça, je pense que c'est suffisamment parlant. Donc, un des objectifs, il est finalement de faire passer ne serait-ce que d'une population sédentaire à une population qu'un petit peu active, c'est diamétralement différent en termes de santé publique. Donc, voilà, tout l'enjeu, il est déjà là. Alors, bien évidemment, si vous êtes entraîné, c'est super. Alors, qu'est-ce que ça implique en termes d'effet de l'activité physique ? Sur la pathogenèse, entre guillemets, ce n'est pas avéré du tout. Bien évidemment, l'effet du vieillissement, vous l'avez toujours, il est inexorable. Vous le voyez ici, vous avez une pente décroissante dans les trois cas de figure. Et l'effet du vieillissement, pour l'instant, on n'a pas trouvé la pilule miracle qui fait qu'on ne vieillira pas. Néanmoins, vous voyez que vous allez réduire les symptômes, vous allez augmenter votre aptitude physique et augmenter votre qualité de vie. Alors, ici, les effets sont plutôt modérés. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, quand on est âgé, on ne peut pas faire autant d'activités et à la même intensité que quand on est plus jeune. Donc forcément, la réponse à un stimulus qui va être l'exercice physique va être moindre. Et puis surtout, quand vous êtes aussi âgé, votre corps réagit moins vite, il s'adapte moins vite, il s'adapte moins bien. Et donc, les réponses positives sont un petit peu émoussées par rapport à un jeune. Un jeune de 18 ans, vous pouvez lui faire n'importe quoi, il va tout de suite progresser. Une personne âgée de 70 ans, vous allez prendre beaucoup plus de précautions pour le faire rendre actif et forcément, ça va prendre beaucoup plus de temps. Un autre exemple, par exemple, c'est une myopathie. Alors là, je vous donne une des myopathies, c'est ce qu'on appelle la dystrophie facio-scapulo-humérale.
Donc, on le voit ici, les patients sont d'abord touchés en fait, sur les muscles de la face, puis vont être touchés sur les muscles qui vont toucher la ceinture scapulaire, et puis les bras, et puis au bout du compte, ça va toucher l'ensemble de l'organisme. Et en fait, le pronostic, il est qu'à la fin, vous vous retrouvez dans un fauteuil roulant à plus ou moins long terme. On a fait de l'activité physique chez des patients qui sont atteints de cette myopathie. Alors, avec différentes modalités d'activité physique, de l'endurance, un petit peu de musculation, un petit peu de sprint. En tout cas, on a fait varier un petit peu le type d'activité. Et on s'aperçoit effectivement que chez les sujets, alors vous avez ici la courbe en haut d'un sujet qui a été dans le groupe entraîné, qui a bénéficié de l'entraînement, et vous voyez que son aptitude physique a augmenté. Encore une fois, on a utilisé la consommation maximale d'oxygène comme critère d'aptitude physique. Vous voyez que cette aptitude physique a fortement augmenté. Et dans le cas du groupe contrôle, donc un groupe qui n'a rien fait pendant le même temps, ça n'a pas changé. Alors, au bout de 24 mois, parce que le protocole était très long, le groupe de sujets qui était contrôle à la base, on leur a proposé de passer dans un groupe entraîné, de rejoindre une activité physique, et vous voyez qu'ils ont évolué à peu près de la même manière que le groupe qui avait participé à l'entraînement dans le cadre du protocole. Quand on tient compte de cette fois-ci ce qu'on appelle la force maximale qu'un sujet est capable de développer, et bien là aussi vous voyez qu'avec l'entraînement, les sujets, avec incluant un petit peu de musculation, et bien vous voyez que même les sujets myopathes, on est bien chez des myopathes, et bien on a pu leur faire gagner un petit peu de force. C'est pas rien pour eux de gagner de la force. Alors, vous voyez ici que dans le groupe contrôle, ils ont plutôt tendance à avoir un tout petit peu perdu. Et ici, il n'y a pas un gain. Une fois qu'ils ont fait un peu d'activité physique, il n'y a pas de gain parce que l'activité physique qu'on leur a proposée à ce moment-là, ce n'était plus en centre, mais c'était à domicile. Et on leur proposait essentiellement de l'activité d'endurance et on ne leur faisait pas faire de la musculation à domicile. C'est pour ça qu'en termes de force, ils n'ont pas énormément gagné dans cette partie du groupe-là. Mais le groupe qui était en centre, qui faisait de l'activité, bien contrôlé, avec un peu de musculation, vous voyez qu'ils ont gagné. Alors, les effets de l'activité physique sur la pathogénèse, c'est sûr que ce n'est pas avéré, c'est une maladie génétique, vous n'avez pas l'activité physique qui va jouer sur les gènes, donc ça ne va rien changer du tout. En revanche, vous voyez que vous pouvez réduire certains symptômes, comme la perte de mobilité, ou réduire, en tout cas, ou retarder l'arrivée de certains symptômes, comme la perte de mobilité, la fatigue, la perte d'aptitude physique, vous la diminuez, et bien évidemment, vous améliorez la qualité de vie des patients. Je vais vous donner un autre exemple de pathologie, par exemple la drépanocytose. Donc la drépanocytose, c'est là aussi une maladie génétique. C'est la maladie génétique la plus fréquente au monde, qui touche l'hémoglobine. Donc vous avez une hémoglobine qui est anormale. Cette hémoglobine anormale fait que vous avez une destruction des globules rouges, donc vous êtes anémique. Donc, vous avez une anémie très importante et en plus, dans certains cas, vos globules rouges se déforment, ils prennent la forme d'une faucille. C'est pour ça qu'on appelle ça une anémie falciforme. Vous avez moins de globules rouges et en plus, ces globules rouges, ils ont tendance à prendre la forme d'une faucille et quand ils ont cette forme de faucille, ils restent coincés dans les micro-vaisseaux et du coup, ça bouche les micro-vaisseaux, ça bouche la circulation et ça peut être très, très dangereux avec ces crises vaso-occlusives. Alors, est-ce que l'activité physique, pour eux, c'est important? Alors, je vais déjà vous prendre un exemple pour vous montrer l'importance de la maladie dans l'aptitude physique de ces patients. Donc, vous avez ici trois courbes. Celle que vous avez en gris, ici, c'est une courbe obtenue chez une jeune athlète. Donc, vous voyez qu'en fait, elle augmente sa puissance, sa consommation d'oxygène augmente. Et donc, sa consommation maximale d'oxygène est à ce niveau-là, chez une jeune athlète. Chez une personne sédentaire, on va être plutôt active, on va être à ce niveau-là et vous voyez que la consommation d'oxygène, elle est ici. Et chez le drépanocytaire, là en l'occurrence, c'était une patiente drépanocytaire, et bien vous voyez qu'elle va s'arrêter à 65 watts. C'est sa puissance maximale. Quand l'athlète, elle va à quasiment 200 watts. D'accord? Vous êtes une aptitude qui est
plus de 3 fois moindre. Et ici, vous avez un indice qui s'appelle le lactate. Alors, le lactate, c'est un composé qui est produit pendant l'exercice, qui a tendance à s'accumuler pendant l'exercice et qui est un indice de la contrainte de l'activité. Et vous voyez qu'ici, il a tendance à augmenter progressivement, puis d'un coup, abruptement. Et bien, à ce changement de vitesse d'accumulation, c'est un très bon indice de l'aptitude physique. Et bien, on s'aperçoit que chez ces patients, la consommation d'oxygène à ce point ici est de l'ordre de 0,7 litres par minute. C'est extrêmement faible. Vous voyez qu'on va être à un des niveaux, donc on est ici aux alentours de 0,7 litres par minute, et vous voyez qu'à peu près au même niveau, on est à 1,5 litres par minute, ou alors on est à presque 2 litres par minute chez une personne entraînée ou active. Alors, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que pour cette personne-là, qui est dans cette situation-là, aller faire ses courses, porter, pousser un caddie, porter quelques charges, c'est juste quasiment impossible. Elle est déjà au maximum de ses possibilités. Elle est déjà dans cette zone-là. C'est-à-dire qu'elle n'est plus en train de faire quelque chose de la vie quotidienne. C'est déjà quelque chose qui lui est très intense. Pareil, marcher à plus de 3,5 km/h, ça devient compliqué. Si en plus, il y a un peu de pente, ça devient compliqué. Monter les escaliers, elle monte un étage. Elle n'en montera pas deux. D'accord ? Puis elle le montera à une certaine vitesse. Elle ne le montera pas à une vitesse normale. Donc, toutes ces activités sont déjà très intenses pour un ou une patiente drépanocytaire. Et ça, il faut garder ça en tête parce que d'un point de vue social, d'un point de vue autonomie dans la vie de tous les jours, c'est particulièrement délétère. Alors, quand on regarde, alors ça c'est un tableau récapitulatif de nos publications, mais quand on regarde justement à qu'est-ce qui s'est passé sous les effets de l'entraînement à ce point de rupture-là où on est un peu sur la zone entre activité faisable et qui devient intense, et bien on s'aperçoit qu'avec les effets de l'entraînement, on a augmenté la puissance de plus de 45, de près de 45% avec de l'entraînement en endurance chez ces sujets-là, chez ces patients. Alors que dans le groupe contrôle, qui n'avait rien fait pendant ce temps-là, eh ben ils sont restés sans bouger. Alors, il y avait une petite augmentation de 3,5%, mais en fait, c'était pas du tout significatif. D'accord ? Donc, au bout du compte, on s'aperçoit que même dans cette pathologie, l'activité physique est bénéfique et permet une amélioration de l'aptitude de ces sujets, une amélioration de la qualité de vie. Alors, je vous ai parlé des risques associés à l'activité physique tout à l'heure. Vous vous rappelez, dans mon schéma initial, à droite, il y avait des risques liés à l'activité physique. Et bien, c'est tout à fait le cas des patients drépanocytaires. S'ils font un exercice très intense, ils vont produire beaucoup de lactate, ils vont avoir une baisse de pH associée, donc c'est-à-dire qu'il va y avoir une acidose, et bien, cette acidose va déclencher des risques, va déclencher des crises vaso-occlusives, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc, ces crises vaso-occlusives sont très dangereuses pour les patients. Donc, l'activité physique a été proscrite chez ces patients pendant des années et des années et des années pour éviter le risque. Par contre, si l'activité elle est bien dosée, elle est faite correctement, ben non seulement elle peut être sans risque, mais en plus elle peut être bénéfique. Donc, le danger de l'activité physique, ce n'est pas l'activité physique en tant que telle, c'est comment elle est faite. C'est comment elle est mise en place et comment elle est effectuée. Ça peut être dangereux. Donc, il faut toujours avoir des conseils en termes d'activité physique dans toutes les pathologies. Chaque pathologie a un petit peu son cadre. Il faut le connaître. Mais on ne peut pas se lancer dans l'activité physique comme ça sans préparation. Donc, voilà, ça, c'était une petite parenthèse qui est particulièrement importante. L'activité physique, oui, mais pas n'importe comment. Alors, bon, là, je vais passer très rapidement. C'était pour vous montrer un peu des ressentis de patients qui ont participé à ce protocole d'entraînement. Voilà, au départ, j'étais tout le temps fatigué, mais là, ça va mieux. Je me sens mieux, je suis moins essoufflé. Cela fait quelques jours que je n'ai pas fait d'entraînement. Donc, ce questionnaire était arrivé à la fin du protocole. Cela fait quelques jours que je n'ai pas fait d'entraînement et cela me manque. De nouveau, commence à être un petit peu fatigué et je me sens lourd. Il ne faudrait pas que je m'arrête.
Pour un autre patient, je me sens mieux après les séances et je me sens mieux après ces 2 mois qu'avant. Cela m'a donné envie de continuer. 2 mois, c'est finalement trop court. Voilà. Et là, à petite dose, l'activité physique à petite dose est bien. Alors qu'avant, il avait acheté un vélo d'appartement et il le faisait tout seul dans son coin et il s'apercevait qu'en fait, il se mettait en danger plus qu'autre chose. Pour un autre patient, voilà, ça fait du bien. J'ai plus d'énergie, j'ai retrouvé la motivation pour bouger. Je vais pouvoir reprendre la danse. C'était quelqu'un qui aimait la danse de salon. Il allait pouvoir reprendre la danse. Et là, ce qui est d'autres éléments qui sont importants, c'est je dors mieux et je suis plus concentré au travail. Un autre, c'est je suis plus alerte au travail, je me sens plus dynamique, je bouge plus facilement, ça m'a un peu désencrassé. Voilà, il faut que je continue. Alors, dans cette pathologie, qu'est-ce que ça veut dire? Bien évidemment, c'est une pathologie génétique. C'est une maladie génétique. Donc, la pathogenèse, on ne va pas la changer. C'est une maladie génétique. Les symptômes, on n'est pas encore suffisamment avancé parce que le protocole n'a fait que 2 mois. Et là, on va engager un protocole d'activité physique dans cette pathologie sur 6 mois. On espère jouer certains symptômes de la maladie, sur certains symptômes de la maladie. En revanche, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on a amélioré l'aptitude physique et on a amélioré la qualité de vie. Or, sur certains symptômes, on l'a vu, si, un petit peu, sur, par exemple, les répercussions musculaires de la maladie. Sur les répercussions musculaires de la maladie, on a vu qu'on les contrecarrait. Donc, il y avait dans cette pathologie, par exemple, une amyotrophie. Avec l'activité physique, on a repris un peu de masse musculaire. Toujours dans cette pathologie, il y a une raréfaction de la densité des micro-vaisseaux qui sont à l'intérieur du muscle et qui approvisionnent le muscle en énergie et en oxygène. Et bien là, on contrecarrait cette raréfaction, on reprenait un petit peu de densité capillaire, on augmentait le nombre de capillaires qui viennent irriguer le muscle, de l'angiogénèse, hein, on appelle l'angiogénèse. Voilà, donc finalement, c'était bénéfique dans le cadre de cette pathologie. Alors voilà, j'ai un petit peu survolé en prenant des petits exemples, mais j'espère que ça vous a intéressé et je vous remercie de votre attention. Un grand merci Laurent Messonnier pour cet exposé qui nous montre vraiment tout l'intérêt effectivement de l'exercice physique comme dispositif thérapeutique et qui, comme l'indique le titre de ce café débat, est probablement voilà une thérapie d'avenir. Alors on va prendre maintenant un petit temps de questions complémentaires. Alors tout d'abord concrètement, comment se déroule pour des patients une prise en charge thérapeutique qui intègre l'exercice physique? Et à quel moment cet exercice doit-il être prescrit? Alors, tout va dépendre dans quel cadre va être pris le protocole d'activité physique. Là, on est en train de parler de thérapie et de protocole d'activité physique dans le cadre de recherche clinique. Donc, en règle générale, c'est pris en charge dans le cadre hospitalier. Donc, ils viennent, ils se font évaluer dans un cadre hospitalier. Ils vont dans un centre de réadaptation cardiaque faire de l'activité physique. Là, en l'occurrence, par exemple, dans le cadre de la drépanocytose, c'était 3 fois par semaine, 45 minutes, le lundi, le mercredi, le vendredi, pendant 2 mois. Donc, c'est quelque chose d'assez cadré. Et puis, il y a des protocoles qui sont plus, on va dire, hors les murs, où, pour le coup, les patients sont à domicile, où on leur met à disposition un certain nombre de matériel et on les aide, à distance pour gérer leur entraînement ou leur activité physique. Et puis maintenant, on va essayer de passer aussi à une autre forme où, ils vont directement par prescription aller dans un club sportif spécialisé pour les accueillir. Donc maintenant, il y a des labels un petit peu pour certaines associations sportives ou certains clubs sportifs qui peuvent accueillir des patients d'une certaine pathologie. Ils sont agréés pour ça et ils vont leur proposer de l'activité physique. Donc il y a des formes diverses et variées en fonction de la pathologie et en fonction du cadre. Est-ce qu'on est dans un cadre recherche clinique ou est-ce qu'on est dans un cadre de prise en charge de patients? Encore une fois, dans le cadre de la prise en charge de patients, ils ont une ordonnance et ils vont faire de l'activité physique sous ordonnance. Très bien, Alors, merci. à quelle étape se pose une bonne la question de à quelle étape on va prendre ça? Donc, bien évidemment, on s'aperçoit que maintenant, on le prend de plus en plus tôt. De plus en plus tôt, on va essayer de remettre
les patients dans l'activité physique. Et par exemple, dans le cadre de la drépanocytose, il y a une équipe sur Chicago qui travaille beaucoup sur les remettre à l'activité physique dès l'enfance, en fait. Alors, merci bien. Alors, vous avez évoqué les bénéfices sur des maladies comme les cancers, des maladies musculaires, sur la drépanocytose. Est-ce qu'il y a également des études qui montrent des effets sur d'autres types de pathologies, et en particulier des pathologies auxquelles on penserait peut-être moins, comme des maladies qui affecteraient le cerveau, la mémoire, des maladies psychologiques? Est-ce que là, il y aurait aussi un intérêt d'une activité physique? Alors, sur les autres pathologies, alors ça se développe beaucoup hein, dans plein de pathologies. Donc, bien évidemment, sur les maladies cardiaques, les maladies respiratoires, donc les insuffisants respiratoires qu'on appelle les BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive, vous avez de l'activité physique. Alors, on pourrait imaginer que ce soit plutôt compliqué pour eux. Ben, en fait, on leur propose de l'activité physique. Toutes les maladies, bien évidemment, métaboliques, le syndrome métabolique, l'obésité ou le diabète de type 2, bien évidemment, là, on préconise fortement l'activité physique, et là, il y a des pléthores d'articles scientifiques qui ont démontré les bienfaits. Sur le versant psychologique, c'est fortement démontré autour notamment de la dépression, des syndromes dépressifs. L'activité physique a un bienfait énorme. Voilà. D'une manière globale, on redécouvre le rôle de l'activité physique et les bienfaits de l'activité physique. Encore une fois, hein, il y a les maladies cardiaques, même les maladies pulmonaires. On leur disait de ne pas faire d'activité physique il y a 30 ans ou 40 ans. Depuis une dizaine d'années, quinzaine d'années, maintenant on leur dit ben non, finalement on s'aperçoit qu'il faut faire un petit peu d'activité physique. On est venu très récemment sur la drépanocytose où on a exactement eu le même phénomène. On leur disait surtout ne faites pas d'activité physique, maintenant on leur dit d'en faire. Et j'imagine que dans énormément de pathologies, on va y venir aussi. Merci. Donc, l'important est vraiment d'effectivement de bouger et d'adapter, bien sûr, à chaque cas. Alors, vous avez abordé l'exercice physique jusqu'à maintenant, donc en tant que dispositif thérapeutique. Qu'en est-il en ce qui concerne la prévention et comment l'exercice physique peut contribuer à entretenir la santé et puis prévenir justement des maladies? Alors, un certain nombre de maladies ont des origines parfois souvent inflammatoires, un petit peu de stress oxydant, de résistance à l'insuline. Ça y est. Donc d'insulinorésistance. Donc toutes ces maladies qui sont un petit peu d'origine métabolique, on va dire, ou inflammatoire, et bien avec l'activité physique, vous avez tendance à réguler votre métabolisme beaucoup mieux, à utiliser vos substrats énergétiques de manière beaucoup plus importante, et donc de moins les accumuler. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez par exemple le syndrome métabolique, le diabète de type 2, donc vous avez en gros une prise de sucre qui est trop importante par rapport à l'utilisation que vous en faites. Vous avez tendance à vouloir les stocker, vous les faites rentrer dans le tissu, ça rentre par l'insuline, puis au bout d'un moment, votre tissu, quand il est plein, et bien, vous n'utilisez pas ces sucres-là, il dit stop et donc il ne répond plus à l'insuline. Donc le sucre ne rentre plus. Et donc vous avez une accumulation de sucre qui se fait dans le sang et ce n'est pas très bon. Et bien évidemment, quand vous faites de l'activité physique, vous allez utiliser ce sucre et vous allez réguler en fait la dépense énergétique au regard de votre prise alimentaire. Vous allez beaucoup mieux réguler tout ça et vous allez diminuer les risques. Pareil, on va s'apercevoir qu'il va y avoir une diminution des cholestérol. Vous avez le bon et le mauvais cholestérol, en fait. Vous apercevez en fait que le bon cholestérol va augmenter et le mauvais cholestérol va avoir tendance à diminuer avec l'activité physique. Donc voilà, vous avez tout le côté métabolique de l'activité physique est très important. Dans le cancer, par exemple, il y a une théorie qui est de dire
Alors, pas toutes les formes de cancer, mais par exemple, dans certains cancers, vous avez une utilisation du sucre par les cellules cancéreuses. C'est le substrat des cellules cancéreuses. Le fait de faire de l'activité physique, par exemple, et d'avoir un peu une restriction alimentaire en limitant la prise de sucre, et bien fait que vous allez moins alimenter ces cellules-là en sucre. La biodisponibilité du sucre pour ces cellules cancéreuses serait moindre, et que peut-être ça ralentirait un peu la progression. Voilà, c'est des théories qui actuellement sont pointées du doigt. Alors, il y a même des aspects pharmacologiques, parce que comme les sucres sont transportés, le lactate dont on a parlé peut être utilisé aussi par des cellules comme substrat énergétique, et bien en bloquant l'entrée de ces substrats, par exemple, dans les cellules cancéreuses, et bien vous pouvez bloquer l'avancement ou la prolifération de ces cellules cancéreuses. Merci. Alors, tout particulièrement actuellement, le contexte de crise sanitaire voilà, qui dure déjà depuis plus d'un an et puis avec le renforcement actuel des mesures de confinement, limite les possibilités d'activité physique, entraîne davantage de sédentarité. Alors, quels seraient les conseils pour maintenir malgré tout une activité suffisante pour la santé, pour le bien-être et éviter justement le développement de certaines pathologies? Alors, c'est un point crucial. À l'heure d'aujourd'hui, le fait d'être un peu confiné fait qu'on limite son activité physique. Alors, on n'est malheureusement pas tous égaux vis-à-vis de ça, hein, ceux qui sont. Alors là maintenant, le nouveau confinement qui pour l'instant à l'heure d'aujourd'hui nous limite à 10 km limite les problèmes. Mais je prends l'ensemble, l'ancien confinement où on était vraiment confiné à la maison, où on ne pouvait pas bouger ou très peu, et bien évidemment quelqu'un qui a à s'occuper d'un jardin, qui peut bêcher, qui peut faire de la, qui a un mode de vie actif parce qu'il a chez lui des escaliers, parce qu'il a un extérieur à s'occuper, et bien c'est de l'activité physique qui est bénéfique, hein. Rappelez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure dans le cadre du vieillissement. En revanche, quelqu'un qui il est confiné dans un appartement avec un faible mètre carré et puis qu'il ne peut pas y bouger, et bien c'est beaucoup plus compliqué. Et effectivement, les risques associés sont importants. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est faire très attention à avoir un régime alimentaire qui soit associé à l'activité physique que l'on fait. Si on a une grosse, grosse activité physique, on peut avoir une prise alimentaire qui est importante. Bien évidemment, si on n'a plus d'activité physique, il ne faut pas garder la même quantité de prise alimentaire que ce qu'on avait avant quand on était très actif. Donc là, il faut être très attentif là-dessus. Je vais faire une petite parenthèse. Avec le problème de l'alcool, par exemple. L'alcool, ça apporte beaucoup de calories, entre guillemets, inutiles, mais quelque part, en buvant de l'alcool, on prend beaucoup de poids. On peut prendre beaucoup de poids. Et quand on est confiné, qu'on s'ennuie un peu, on se dit, allez, on va prendre un apéro, puis un, puis deux, et puis en fait, on prend des calories assez facilement, sans s'en rendre compte, parce que ce n'est pas une prise alimentaire, c'est de la boisson, mais c'est du calorie. Et ces calories-là, elles comptent dans la balance, et c'est vraiment négatif. Donc voilà, il faut faire attention à ces petites choses-là. Là, maintenant qu'on va être un peu à l'extérieur, qu'on va pouvoir en profiter, c'est très bien. En tout cas, on est dans les 10 km et ces 10 km, il faut les mettre à profit, aller marcher un petit peu tous les jours, c'est parfait. Encore une fois, hein, si on marche une demi-heure par jour, vous avez fait, entre guillemets, le minimum requis pour être en forme. Là où je vais rester un peu sur le Covid, là où on s'est aperçu, c'est que les répercussions post-Covid peuvent être très néfastes. C'est-à-dire que le Covid peut entraîner des effets à long terme sur des sensations de fatigue, sur une perte de fonctionnalité musculaire, et vraiment sur la qualité de vie. Et là, par contre, les gens se questionnent actuellement, il y a des études, et je pense notamment à un groupe de Clermont-Ferrand, de collègues de Clermont-Ferrand, qui vont essayer d'explorer justement le rôle de l'activité physique post-Covid en termes de récupération post-séjour en réanimation, pour essayer de récupérer le plus vite possible en activité physique pour pouvoir reprendre une vie normale le plus rapidement possible.
Là, c'est vraiment, on s'est aperçu que ça pouvait durer mais des mois. Hein, après être sorti du Covid, la récupération pouvait être très, très lente. Et là, il y a des stratégies à mettre en place pour que ces personnes-là puissent reprendre une vie correcte le plus rapidement possible. Et l'activité physique fait partie d'une des stratégies actuellement envisagées. Et voilà, il y a un consortium entre Grenoble, Lyon, Saint-Étienne et Clermont-Ferrand. Je crois que c'est piloté par les collègues de Clermont-Ferrand. Très bien. Eh bien, un très grand merci, Laurent Messonnier, pour toutes ces Merci à vous. explications. Alors, je vais laisser maintenant la parole à Jean-Yves Maugendre et puis le mot de la fin de ce rendez-vous entre midi et science. Merci encore. Merci. Eh bien, merci Audrey Popineau. Merci beaucoup à Monsieur Laurent Messonnier pour la qualité de cette intervention, des échanges par la suite. Le prochain rendez-vous entre midi et science se déroulera au mois de mai pour parler cette fois-ci de plantes de montagne. Vous voyez, on change de sujet. En attendant, prenez soin de vous tous et merci beaucoup et à bientôt. Merci.